Non, mille rameaux, peuple haïtien. Aïe, aïe, aïe. Bay koublié, pote max songe, peuple haïtien. Jodi yon, qui se 21 juin 2024 lan, non, mille rameaux officiellement installé dans tête direction générale de la police nationale d'Haïti pour une deuxième fois. Mais fois ça, li fait plus facile, li plus easy, parce que première fois, te gen plus bagay. Et m'bral fait nous tous les deux. Et bien justement, non, mille rameaux montre que clairement, li pas oublié assassinat ou bien tout crime qui te fait sous papal. Le que papal tape dormi la kaili, et puis famille l'a levé l'endemain, yo pas attendez papa, cherchez pas si pas là, yo pas ouais papa, nan le checker, nan yon réservoir de l'eau, le regardez yo, c'est papa kap neye nan yon réservoir de l'eau. Et non, mille rameaux, songez, de qualité misère, humiliation que yo te fait le prend. Avec groupe terroriste que France LB, Kalan Ribouche, Marius Gauthier, te mette monté en dans la police là pour te assassiner en pile policier sérieux, assassiner caractère li, attaquer physiquement, faire tentative d'assassinat sous lui et pour ne retenir l'idée pour être assassiner chef l'État pays qui est président Jovenel Moïse. Non, mais il a montré que le pape n'est pas oublié en nous garder sous écran, image en a comprendre que. Non, mais il n'y a pas oublié France LB comme un assassin, fantôme 609 qui te monté, groupe terroriste. Meni. Regardez ça. Nous prenons le ouais. Dans la main que M. Apres a bail avec toute autorité, ou après qui est-ce qu'il a mis dans la main sans France LBA. Volé. Volé était volé. Qualifié volant en volant. C'est comme ça que lié. Ou qualifié volant en volant. Qualifié mesdames en mesdames. Meni. Nous pas balle la main. Nous pas football la main. Bah, on fait l'encore, on tourne l'encore, directeur général. Tout retourne l'encore, petit John. Même Jean Teriel, Delus Kondim, salut Teriel. On avance. Meni. Vire. Ap montre ou. On chef, ton chef. Ou pas bay la main avec volo. Et ça comme dit nous, oui. Dis nous, France LB, monsieur sorti Washington DC. Mbabe Zoukoun, comment rentrer, comment pas rentrer. Mais naturellement, monsieur fait tout le temps l'aptant des médias en ligne. Et monsieur, ouais, définitivement, qui qualité média que pays d'Haïti te gagne. Là, t'a fout détruit caractère là. Et le ouais, que naturellement, s'il pas prend mail, et que ça pas le passe en bas, pas piti pour lui. Et je dis à France LB, non, mais il y a mon map du sac clairement, puis garçon. Où sont haïtiens conséquents? Moi-même, naturellement, je suis capable de dire clairement, ma pression en pile. Ma pression parce que parcours dans la police là, je fouille toute zone en Kalalou, je ou c'est nèg qui soutient deux matrices de la police là qui est sérieux et qui fait tout parcours de la police là. Au niveau de la DCPJ, où sont exemple vivant. Comme directeur général de la police sociale d'Haïti, vagabond voyou politique, tu es attaqué au soutien dans tout sens. Jusqu'à ce que. Ils te font voler, on théorise au criminel, on chef de gang qui est, on traite national qui est Joseph Jout. Vin assassiner caractère jusqu'à ce qu'il fait complot, fait révoquer ou comme directeur de la police. Et bien, Joseph Gassoum, sous retourne là. Et pas sans raison. Tourne là pas sans raison. Quelle que soit façon tourne, hein, mais moi je connais comme haïtien. Ou sorti Washington DC. M'a considéré comme figure de la diaspora. Parce que moi, je fais promotion chaque jour pour la diaspora haïtienne. Peut-être, mon kadim beto, puis quand on trompe, non, je ne trompe pas. M'a prendre yo au mot fois ça. Non, mais nous allons faire bataille. En de pays. Nous allons faire bataille pour nous dénicher gang à sa patte. Nous allons faire bataille pour nous dénicher gang à cravate qui est politique. Nous allons faire bataille pour nous dénicher gang à cravate qui est dans le secteur privé des affaires là. Kap vann zam, kap vann bel, kap touye peuple la. Nous allons faire bataille pour que Jean Rebel de Sénat, ba nous non, 11 familles qui rentre zam avec bal, kap touye moun nan pays et que la protéger moun sa yo. Na pese green de Sénat pour nous faire foutre nous non sa yo. Parce que est-ce que non moun sa yo, nous 11 familles plus importantes que 12 millions d'habitants, nous allons connaître ça avec de Sénat. Parce que c'est dans green et maïen, nous allons commencer à contrôler Bougon, nous allons passer trop, nous méchant trop. Non, mais Ramon, comme nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, en pile cœur sauté, parole la parler, non, mais Ramon parle causé ya. Mais papa ici, dans l'émission, ça li extrêmement important. Ou pral tande, chef de gang Fantôme 609 là, yon assassin qui te aide jouen zam pour te touye président pays ya. Li là, li a costume sous li, la veste sous li, li rele France LB. Yon nan allié sûr de vite l'homme innocent.
et gang fantôme 509. Yon nan allié sûr de Yannick Joseph. Yon nan allié sûr de Renal Koutoua, chef sécurité Nenel Kassi. Yon nan chien de garde de Nenel Kassi. Yon nan chien d'ouvant porte Justin River. Yon nan chien qui a protégé l'équipe gang qui t'a dirigé pays ça. Après, fin tout Jovenel Moïse lan. Et l'équipe Ariel lan. Et bien, jodi a France LB n'est plus directeur général la police nationale d'Haïti. Son coup. Pour moi-même, ça important. Sous quelque sorte, forme que, non, mais il y a mon rentrée, mais mal propre, théo, l'LB, pas dans la tête de la police pays, nous encore. Direction générale de la police, là, papa nous menti, nous allons commencer pour engagement, nous. Non, mais il y a mon, ou c'est chef de la police. Quel que soit voie ou volet gang sale, qui n'a pas été major gang, non. Faut démanteler, voyez, non, y'a pas nous, avec dossier, pour faire peuple, commencer, marcher chercher la caille, directement. Comme un volet qui a fait craser la police là. Non, mais Ramo, ou sous responsabilité nous. Nous sous responsabilité pour tout. Parce que, ou pas qu'à faire travers là sans nous, nous allons demander peuple là, collaborer ensemble avec vous, pour bon, bonjour information, parce que la police n'a pas fait sa population. Son mariage peuple et la police. Son mariage peuple et police. La population et la police sont d'Haïti. Son mariage que lié. Et vous prenez le de manière stratégique, version Boakale originale là, pour le lancer. Et c'est non, mais Ramo, qui a vraiment commandant chef. Boakale pour libérer pays ça. Non mais Ramon, mais quand son entaille garçon, job qu'on prend là, et pas même job côté prend sous Jovenel là. Parce que situation plus grave, ou quand tout le monde offre ça, ou devant ou, et n'a pas campé au côté ou. Et n'a pas des peuples là, campé derrière d'eau. Quel que soit vol, les vagabonds politiques qui attaquent là, c'est nous même l'attaquer, et c'est peuple là l'attaquer, nous allons marcher pour eux, pas n'importe qui moyen. En nous gardant, non mais Ramon, qui t'a humilié, volé, gang sale qui relait, France LB, qui fout tout un paquet de policiers dans pays ça. Un paquet de policiers volés à tout pour faire plaisir avec André Michel, Nenel Kassi, Major Michel, Don Kato chez la Ludo, les oligarques corrompus qui mettent l'argent qui tout le président Jovenel Moïse pour être capable de jouer une intervention militaire. Humilier volé à, pas mettre mes en plein mais volé parce que malgré sans président, malgré sans policiers, malgré sans peuple là, malgré sans en pile trafic d'organes, en pile kidnapping, ben volant ça. France LB son est pour prendre, pour panni sous place publique, ben gang sale. En avance, non, mais Ramo, humiliation totale. Pour voler sangouin, yon le France LBA. En avance, en gade ça. Gade ti image ça avec un pile terre. Parce que ça extrêmement important. Bon, mette tisson tout. Yon moun kap di beto pou, yon mette tisson. Bon, mette tisson non. Et vous comprenez? Et je dis à la même, dis-nous ça très bien. M'pas vin pour la paix. Pas de tolérance pour voler. Pas de tolérance pour gang. Pas vin tolérer assassin. Bon méchant. Bon gang sale. Nous criminels à l'extrême. En gade ti image ça. Parce que c'est très intéressant. OK parce que pas que t'étais lang n'est pas sérieux yo criminel yo à l'extrême mais jodi a France LB prend fonction ou doit connait exactement qui ça vient régler bien que le sorti Washington d'ici pas de problème non mais sauf que quel que soit gens rentré même moi même Beto moi connaître monsieur comme haïtien et n'a prend monsieur au mot et nous parler avec monsieur moi dit que n'a pas accompagné effectivement n'a pas accompagné il fait ouais de monsieur Jevé et peuple n'a pas gagné dans boudal pour foutre bois calé parce que pas de tolérance en garde cette vidéo ça nous pas accepter n'importe bagarre faite dans pays ça encore. Il n'est pas tolérant. Peuple, ça suppose comprendre. Effectivement, nous ne pouvons pas tolérer n'importe qui dans le pays encore. Qui se met à venir prendre dirigeant Vinéas, lancer un bel discours et puis action au contraire, nous ne pas prendre encore. On nous regarde l'image. Jean DG Normil Ramo, tapé million chef de gang, qui est le chef de gang Fantôme 609 Flan, chef théoriste Fantôme 609 Flan, qui est le France LB. On regarde l'image. Très important. La salle tout le monde sauf volant. Regardez pour vous. Aïe aïe aïe. Salut tout le monde. Tu dois aller. Pas bay volo la main. Mais volo a. Et où t'as couché que pète l'église? Ti volo. France LB, ti volé. Chef fantôme 609 gang sale. Méchant. C'est parce que nous mêmes comme peuple. Le volé yo. Fin volé comme pays. Fin touye moun dans pays. N'a pris les autorités ou ancien directeur général de la police. C'est relé volo dans nous. C'est volo lié. Après le oui. Rete. Mais quand l'école, il peut voler qui vole pas à l'école là. Et c'est voler ça qui est plus dangereux dans la société. Parle avec un beau créole pour dans langue maman avec papa là. Parce que c'est voler, c'est gang sale que vous avez, ou de foutre bois calé. Moi, mon directeur, Normil Ramo. Monsieur, que première fois, tu es monté comme directeur général de la police nationale d'Haïti, bien sûr que vous n'avez pas fait. Et tout le monde est capable de faire capable tout. Mais naturellement, vous venez, regardez, garçon, testicule ou plein faire sous. Ou plein pouvoir. Et pour faire le bien, nous avons des peuples à accompagner vous. Parce que nous avons des peuples à bon côté nous. Nous avons des diaspora ici à bon côté nous. Bien que, façon qu'on rentre, nous avons plusieurs. Nous avons un pile. Vous créez un pile, un pile. Interrogation sur tout. Mais pour y sortir, c'est vous-même. Parce que, vous êtes très prudent. On garde ça encore.
Eni, c'est fini. Yo babay volé la main. Bravo. Avec directeur général de la police nationale d'Haïti, actuel directeur là, qui c'est Normil Rameau. Bravo. Bravo, directeur. Chapeau, babou. Parce que nous-mêmes, nous disons ça très bien. Nous va venir bérer volé. Nous va venir bérer assassin. Nous va venir bérer chef de gang. Nous avons tolérance avec volé, méchant, criminel, notoire. Ou vin là, ou vin faire travail ou pas nan mettre main ou. Nan men nèg qui t'a bouè sans pep, qui t'a fait politique avec la vie policier. Et m'a demandé ça très bien. Fout mission bakod pour nous, Normil Rameau. Ou t'as sauté un héros national, oui. Fout la bakod. Fout volé en bakod, un assassin président. Ou compte tout nèg qui touye Jovenel Moïse. Et ou CDCPJ. Et n'a demandé ou, directeur Normil Rameau, révisez enquête sur assassinat papa là pour moi. Parce que papa ou, si la go sou teya ou observe pays ya, papa ou pa ka mouri dans condition de mourir ya. Nèg fantôme 69 yo là pendant ou t'as menacé ou. Et puis pour moi, lumière pas fait dans le cadre de CA. Comme ancien directeur général, alors, et responsable de CPJ, qui conseille l'enquête sérieuse, et bien naturellement, je demande au garçon pour que vous révisez le dossier enquête là. Parce que vous avez gagné, vous avez parti d'enquête là qui peut qui a commencé, mais qui peut-être pas fini, parce que vous avez peur, vous avez coup chat, vous avez fait peur. Vous avez fait peur, je demande au garçon, passez mais. Parce que pas de la main avec volo. Je me dis bravo. Pas de tolérance, pas de hypocrisie. Ou fait le sans filtre. Et me dit bravo. Fait le même j'en t'es capable de faire. N'a pas gardé monsieur dans les yeux, même moi-même. N'a pas gardé monsieur dans les yeux. Avant de virer malé. Si volé. Me dit bravo avec directeur Normil Rameau, qui conscient de la situation qui est là, lui ou qu'il pas qu'à collaborer avec volé, avec vagabond voyou. Et tolérance là, il fini. Nous pas accepter n'importe bagaille. Situation li compliquée pour nous. Et fok haïtien sauté dans sa quel trouvé là. Bataille a continué. Là maintenant, nous prenons rentrer dans les affaires qui sont pour avec installation et nouveau, ok, nouveau directeur et Normil Rameau. Ok, et l'important pour que nous fassions, nouveau DG la police là. Et nouveau DG la police là. Et l'important pour que nous. Faire regarder et comment installation est faite, qui est-ce qui te prend la parole, qui ça te dit, comment et qu'est-ce qui te déroulé. Mais naturellement, on nous garde li jodi an, qui c'est le 21 juin 2024 lan, sous plateforme YouTube Info Betoa. Mais papa ici, on a demandé ou regarder le crédit vidéo pour Radio et Télé Guinée. Ah, mettre Luc Mandel il était là. Mettre Luc Mandel il était là. Depuis mettre Luc Mandel il était là, ça veut dire que c'est Normil Rameau qui t'a invité. Un petit bravo, Radio et Télé Guinée. Et respect pour Radio et Télé Guinée. Crédit vidéo pour Radio et Télé Guinée. Patrimoine national. Radio et Télé Guinée. Et Radio et Télé Guinée, voilà. On va attendre et discours. 21 octobre 2021. Et 21 octobre. Chef de gang. 21. Chef de gang sortant qui c'est Normil Rameau. Alors, pardon. Et désolé. Chef de gang sortant qui c'est France LB avec chef police. Sérieux, l'homme compétent, nèg avec caractère, qui c'est Normil Rameau. Nous allons attendre Normil Rameau par la suite, et l'infini table de plusieurs, et l'autre taureau qu'il a. Et nous, tout d'abord, nous attendons Volo Cap Sotia. Nous attendons Volo Cap Sotia, et puis par la suite, nous allons attendre l'autre autorité, et puis, pour finir, nous attendons directeur Normil Rameau, dans la déclaration qu'il va le faire. En avance. Même Luc Mandelil là, oui. Mette Luc Mandelil. Mette Luc Mandelil. Et Mette Luc Mandelil. N'a pas dit bravo. Parce que si Mette Luc Mandelil est capable d'éviter, pour moi-même, ok, Mette Luc Mandelil là, et ancien ministre de justice, ancien commissaire du gouvernement, me dit bravo. Monsieur que c'est Normil Rameau qui t'a invité, lui. En fond, regardez comment ça t'a déroulé dans la salle là. Ici, la pile, elle était complexe. On a passé. Contexte sécurité pays, c'est difficile en pile. Et même, situation interne, institution la police, là, c'est difficile en pile. Situation était complexe. Mais nous avons pris un travail, nous, avec un esprit de sacrifice et engagement dans la lutte pour la paix et la sécurité pays. Qui côté? Pour nous servir, pour protéger la population. Oui, écris pour moi. Regardez, écris, parle avec moi dans l'espace commentaire. Parle avec nous sans filtre. Tout le monde qui a écrit dans l'espace commentaire, parle à monsieur pour nous.
et épanier, protéger maman, protéger papa, protéger famille. Mais parle avec chef de gang ça. Parle avec bon nous. Sacrifice pour que nous toujours mettez devant intérêt collectivité. Après, nous avons intérêt personnel. Nous pouvons tout. Qui vous pouvez? Qui est le parler? Sacrifice, dans un moment douloureux, côté désespoir paraît à clair dans la population, dans la international là, par rapport à derniers événements. Mais grâce à l'unité qui gagne dans la police là, dans le commandement de la police là, dans différents niveaux dans la police là, nous devons être nous ensemble pour nous contrer et pour nous bail support nous pour pays a pas tomber plat à terre net et bail pays a yon l'autre opportunité pour que différents secteurs en dans vie nationale là cap tête yon ensemble pour que ka retourner sous route démocratique qui fait nous venir un conseil présidentiel qui installé dans palais national avec risque et péril nous venir un premier ministre, nous venons de gagner un gouvernement. Donc ça, bail l'espoir à une reprise d'activité dans tout domaine. Donc, une amélioration qui fait. Et ça, bail l'espoir que tout secteur a mis ensemble pour que nous empruntions voie développement pour le pays. Mais il m'a dit, en plus sacrifice, il m'a dit, pour intérêt collectivité, il y a un avant intérêt personnel. Nous faisons un pile de sacrifice pour le pays, pour le patria. Qui sacrifice vous les affaires, monsieur? Pendant toute période, nous avons amené de courage, un pile de courage, pour endurer la douleur, conséquence professionnaliste, nous fait que nous gagnons. Vous avez volé, ça capte pas, monsieur. Loyauté, nous, envers patrie, nous, envers la loi, maman, loi, pays. Tendez bien, oui, loyauté envers patrie. Oh, monsieur, on est capable de déplacer. Pour aller dans le pays, comment il est, Kenya, pour aller ramasser fatra, police, senti force en bien, vicieux, volant parce que vous n'avez pas gagné, pour venir traîner maintenant dans le pays d'Haïti. Loyauté qui, comment loyal là même? Ça veut dire loyal. Envers patrie ou? Oh! Pour nous traiter ton nation, traiter ton patrie. Et pour si vous loyal envers lui, vicieux, volant. Mais c'est un caractère vrai, monsieur. Ah, il n'y a pas de traite là, bon Dieu, vous pétez fiel, saloperie ça. Grave vous mettre là. Je ne pas vous offenser, mon Dieu. Mais si mon Dieu te fait face, on fait voler ça pendant que vous parlez. Il faut tomber sous face. Il n'y a pas trop de mentor. Ou même ça me dit, ça veut dire que ce qui est grave mettre là, il n'y a pas sérieux, il y a malhonnête, il y a vol, il y a vicieux, il y a sans caractère. Mais qui grave vous mettre là. Moi même, je dis ça très bien. Ou est-ce que ça c'est des gens qui ne peuvent pas être sous mon tendé. Il n'y a pas de foutre au bois calé là. Ouais, you know, peuple là t'a prend français ben non zago. Y a courir avec le sous d'elle, m'a monté descend avec lui, décalé, dépatcha, dépatcha. Ouais, yo fait tout et trop monde, yo tout et trop monde. Vous comprenez? Yo tout et trop monde. Entendez vieux voleur toujours qu'a parler, vieux renseur, vieux kidnapper, vieux voleur ben tout et président Jovenel côté nous. Un méchant. Pa parle avec nous aujourd'hui. La race. Grâce à unité qui gagne dans commandement la police là. Grâce à unité qui gagne dans différents niveaux la police là, en base la police là, permettent que nous arrivions à lever deux trois défis que la matière opérationnelle, que la bonne gouvernance institutionnelle, que la condition amélioration condition travail policier. En matière opérationnelle, non seulement nous arrivons à limiter les dégâts, nous limiter gangyo dans zone de confort pour protéger l'espace qui pas pollué et protéger population pour que moun ka mené activité chaque jour, mais nous réaliser des opérations de démantèlement tout tant coup gang Timaka Klaboul Tigre Gadelma Makandal. Très bien, oui, gang Timaka Klaboul. On c'est ouais gang Timaka Klan, si c'est pas Toto la boule et Pep Thomasin 32, 25, commissariat, Thomas 25 avec des policiers qui peut-être te désobéi avec l'ordre ou commandement volant ça. Pour te accompagner population, nous allons pas dénicher gang ça. C'est ce commandement volant ça. Yo touye Eric Jean-Baptiste. C'est ce commandement volant ça.
yo touye et on pas 16 malheureux malheureuses qui t'a traversé sorti Kinskoff pour aller zone Kafou yo assassiné dans rage ya. C'est sous commandement volant ça yo coupé tête 3 policiers dans la boule Timakak mette tête yo sous ligne elle touye plusieurs c'est environ 7 policiers que Timakak t'a touye dans la boule 12 là. OK, c'est ce commandement volé ça. Tu m'as boule commissariat, il était même tenté pour commissariat Thomasin 25 ans. C'est ce commandement volé ça. Volé en les Petionville était presque pourri net parce que son chef de gang qui était en tête la police, son ami vite l'homme. Ça veut dire que ça, zone métropolitaine n'est pas d'après ton côté que pas gang. Et c'est sous monsieur même toute zone métropolitaine là envahie avec gang net. Entendez, chef de gang volé cap ici rancé là. Qui était la ville tête lui? Volé devant monde de bien. Modèlement. Fond Jean-Noël. Sodo, on cite ça seulement. Pendant cette période-là, nous avons saisi 687 âmes. Donc, en matière d'opérationnel, la police a fait un pile effort. Mais, comme nous connaissons, les conditions pas faciles, il y a deux ou trois personnes qui ne doivent pas rendre compte de ça. Nous faisons un pile effort. Le travail pour une bonne gouvernance, nous prenons des mesures pour que la saigner institution. Côté que en pile chèque retourne en finance et qui ban nous en pile opportunité sans que nous pas mandé augmentation budgétaire nous rivé prendre décision pour ka améliorer conditions de travail policier nous. D'un coup nous arrivé augmenter substantiellement prime de risque pour unité spécialisée nous BI qui l'en commissariat yo et joindre de gratification périodique pour yo. Nous arrivons à régulariser le grade qui baille pendant plusieurs années et nous avons une augmentation de salaire. Dans le niveau de la police, nous travaillons ensemble au niveau commandement. Nous arrivons à travailler sur un projet de décret indemnisation pour les policiers qui sont blessés dans le cadre de travail nous, et par un policier qui est décédé au cours d'une opération. Et projet, ça a nous fini élaboré au niveau du commandement. Nous avons fait toute unité, dans tout grade, dans l'institution, participer dans la validation du projet. Ça. Et projet, ça, nous avons soumis le au gouvernement, dès lors, qui a approuvé et qui permet que je dis, il y a un cadre légal pour que l'on policier blessé l'opération, dans le cadre de service, il n'y a pas besoin d'un bon directeur général, Papa Boncoeur, pour que l'État prendre responsabilité et fixer 1, 2, 3, 4, qui ça qui revient en termes d'accompagnement aux policiers. Nous travaillons tous sur reclassification en encommandement. Nous baillons un projet de plan de retraite spécial pour l'institution de la police. Là. Alors, je m'appelle des noms, un petit patience, parce que mon gars, mon débit, il va parler là, et directeur, non, il va parler là, et pour un petit patience, on quitte volo ça, fin rancé. Parce que pour nous capables de commenter, il faut nous temps de voler à tout, parce que ces derniers discours, discours à Dieu, vous comprenez, il faut temps de voler à cap la guépier, la vider les lieux. Et il faut de foutre la code, assassin, gang sale, Zami John Joel Joseph, reste avec Dimitri Vob, chien qui tape tout le monde dans le pays, et de ne tout le président Jovenel Moïse. Aïe, 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 garçon, nest ça que ça prend code? Et en nous temps de voler à cap parler, avec un pile passé, c'est pas de qui n'a quitté bagay dans le commentaire à voler. Quittez bagarre dans commentaire pour les entendre. Avec un pile patience, m'a dit nous ça. T'as pris. Pour que nous capables former la grande famille policière, côté que nous avons gagné un mariage policier actif et policier retraité. Je dis à nous en mesure pour nous dire qu'il y a un policier actif, un policier retraité. Et chaque côté où paraît un policier retraité, il y a pour côté servi la nation hein, pendant un bon bout de temps. Monsieur Normil a fait ses classes à la PNH. Ça c'est alors voler aller lui-même ça moun k'ap parler la kounya c'est ministre justice actuel et comment il s'appelle encore et non désolé et maître Carlos Ekil voilà maître Carlos Ekil ministre de la justice et de la sécurité publique you know regardé dans CSPN là maintenant en nous tendez et ministre justice k'ap installé nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti ou du moins k'ap font discours en dedans avec un peu l'intérêt peuple haïtien. Plus particulièrement dans les services de renseignement de l'institution. De l'avis quasi unanime, l'on se plaît à reconnaître la minutie
la méthode et la rigueur avec lesquelles il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont, j'en doute nullement, ces qualités qui l'ont recommandé pour diriger à nouveau la PNH, après qu'il eut gravi tous les échelons de la hiérarchie à la satisfaction de ses pairs et de la société. Son retour à la tête de l'institution est avant tout la reconnaissance de ses éminentes qualités de leadership qu'il saura mettre à profit pour faire retrouver à la PNH son identité et son âme de jadis. Ensuite, son sens du commandement et de la gestion pour insuffler à l'institution qui parfois tend à se disperser vers l'objectif qui a présidé il y a 29 ans à la création de la PNH. Une institution de service public au service de la population apolitique, neutre, impartiale, dont la devise reste et demeure protéger et servir. Une fois de plus, monsieur le directeur général AI, vous venez de bénéficier de la confiance du Conseil présidentiel et du gouvernement dirigé par son Excellence le docteur Gary Conille, dans une conjoncture encore plus difficile, avec des défis encore plus grands. Et c'est le Premier ministre là, non, et de Dr. Gary Conille, justement, qui a pu remettre lettre de nomination, ou bien arrêté de nomination, bah, qu'on est, avec Normile Rameau. Alors, arrêté a sorti, monsieur, que ça c'est lettre là, justement. Et bon, peut-être c'est là-dedans, un document quelconque, qui appartient avec Normile Rameau, qui est nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. On nous garder et puis tout à l'heure, nous pourrons attendre et déclaration. Yo. En outre, très bien. Voilà. Situation difficile en pile. Maladie a en pile complication. C'est bon en science, médecine scientifique à médecine feuille qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. En bon docteur, ça n'y est pour nous faire, ce diagnostic-là d'abord. Fais examen yo, tout de suite, après pour qu'on qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade-là. C'est dans le dialogue et la concertation, nous y avons fait choix, monsieur Normile Rameau, pour le directeur général, pas intérim, la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, c'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir, que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Des gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant, contre-rançon, torturant, et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il
faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire face à la, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être, cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Donc, faut-il reprendre ça? Ce n'est pas malheureusement à chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Pas de gens qui fait effort après. Et, alors, premier, pour la première fois, je ne connais pas, dans le docteur Gary Koni, parce que je vais ça, parler dans le discours, dans le discours, ou répéter de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais comme je m'a dit, qui est important pour que les gens soient capables de comprendre ça. Et alors, ou pas citer ou pas prononcer sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Peut-être que ou fait venir gon pied à terre pour qu'on gagne, par contre, soit fait tout et ou gagne obligation pour qu'on fait, on va comprendre. Et maintenant, ou qui doit pas gagner le dossier chaud, ou pour qu'on vle fouiller mieux la dalle. Mais ou qui doit pas rentrer dans le dossier Jovenel là, et puis dans sa Jovenel Moïse t'a fait dans l'état rentrer là d'ailleurs. De toute façon, comme ou fait venir, chef police fait installer, faut qu'on gagne contrôle police ou à partir de maintenant on capable commencer à organiser ou. Parce que si on gagne contrôle chef police ou maintenant et puis il commence à passer main et puis c'est vol qui dans la police, ça commence à voler volant aller marer volant police volant et tout, c'est ça tout, et bien au foutu dans prison et comme c'est pas gagne de choix ou qu'on bagaille parce que l'autre prend volant là dans la rue, l'autre semaine c'est quoi tourner photo section 9 fou parce que français d'ailleurs gros chef qui d'ailleurs gros chef qui charge la gendarmerie qui d'ailleurs, ça veut dire que jodi hein, c'est soit nous touyer policier volant ou bien nous foutu dans prison. Par contre, tu comprends. Parce que un policier qui vole, c'est même solde gagné avec chef de gang, Kassapat là. Nous devons fusiller ou bien nous foutre dans prison. Et même comme ça que lié. Faut que bon policier commence à lancer opération, fusiller policier volé ou bien marrer policier volé. Même si nous avons besoin de fusiller policier, comme les bandits à Sapat, ou bien foutre dans prison, c'est même opération pour lancer. En outre, avec un pile intérêt, toujours direct. Alors, Premier ministre, Dr. Gary Koni, dans la cérémonie d'installation, nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, qui c'est effectivement DG Normil Rameau, qui est de retour, justement. Normil Rameau, nous avons garçon. Par contre, supporter, mais je trouve que nous avons. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que la question de sécurité est devenue tellement complexe qu'elle sollicite l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut, pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera
exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous, nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à colliguer les informations, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, Monsieur le budget. Monsieur le directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel et la logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, moi, je ne vis là pas sous-estimé. Mais par contre, depuis 2 semaines, moi, là, effectivement, moi, j'ai le sentiment que je n'ai pas avancé dans la bonne direction. La première fois, depuis moi, je m'en suis politique, des entités qui, généralement, ont combattu une lot, arrivé en temps, y arrivé, font compromis, son type de gouvernement de transition, y arrivé en temps, son premier ministre, y arrivé en temps, son gouvernement, et je dis, n'arrivait en temps, nous, son chef de la police, pour continuer le travail que DGLB fait. Je sentis un mouvement et je sentis que la population commence à reprendre confiance dans nous. C'est une grosse responsabilité. Je connais grand pile dans nous qui a goumé depuis plusieurs années. Je connais grand pile dans nous qui a fait un pile sacrifice depuis un pile d'années. Je m'ai demandé nous qu'il ferme avec nous. Qu'il ferme. Nous pas loin. Nous pas loin. Et nous avancé. Je compte en pile que je DG a accepté la responsabilité pour le travail côte à côte même. Pour attaquer la question de la sécurité à droite. Nous ne pouvons pas perdre une seconde, nous ne pouvons pas perdre une minute. Nous avons commencé le travail tout de suite pour nous voir qui ça nous a fait. Un, pour nous renforcer la police, là, pour nous battre la police, là, tout ça a besoin pour le faire travailler. Pour nous rassurer les policiers, pour nous rassurer les familles policières tout, qui accompagnent le travail. Ça. Pour nous garder comment nous avons intégré l'armée mieux dans le combat, pour nous mener la population comme partie prenante de l'effort à faire, pour nous faire tout. Entité l'État a joué Wallio pour nous reprendre zone métropolitaine. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la. Voilà, un chef qui a parlé là. Où est-ce ça? Bamson est un chef. Là maintenant, c'est directeur général de la police nationale. C'est actuel directeur général de la police nationale d'Haïti qui c'est DG Normil Rameau. Normil Rameau qui jeudi a présenté et alors, capable dit, a fait discours ça dans la cérémonie d'installation. Et en avancé. Tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie.
D'accord. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir, partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'Excellence, le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr. Gary Conille, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démiter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui traille population en yé. Ces plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. Ces dividales femmes actifs qui violaient. Ces plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittaient caillou, qui décapitalisaient. Ces économies pays, paysans qui finent de pas finir. C'est l'école, l'hôpital, l'université qui démantelaient ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'isla Kalong, nous accepter retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaît. Nous connaît tout temps, c'est pour action. Nous pas gain ni pour nous traîner pied, ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener combat. Et c'est ensemble, n'a qu'à porter la victoire. Sem, frem, dame policier, moi sorti dans un trail, la police, là. Li gen 29 l'année. Moi gen même quantité l'année ça en dan li. Moi connais souffrance yo. Moi vive en mauvais conditions yo. Sacrifice la vie nous vin pilou chaque jour. Bandi a criminel pa ka continue touye nous, rache nous ak boule nous Jean Ovlé. Mais moi ça qui déjà tombé pa doué jam effacé. L'institution la police là. Famille a besoin de support qui est la yote qui pi gros sacrifice que un citoyen ak citoyen ka fè pour pays. Sa qui blessé, handicapé, a besoin accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance bon côté autorité, l'État central yo. Président Conseil de transition, Premier ministre là. Yo d'accord déjà et yo gen volant pile volonté pour yo accompagner la police là. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travail li. Nous bat bravo pour autorité centrale yo. Nous d'ailleurs nous tout bat bravo pour le président conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même condition travail avec la vie policière yo doit changer. Améliorer ces pralions nan pi gros choix le bataille nous. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livrée pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie
sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égales valeurs pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre Dr Gary Conille, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélisme. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait « le souci des hommes, c'est le souci des résultats ». Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale, institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Voilà. Et c'était nouveau directeur général de la police là. Maintenant, nous allons attendre. Alors, nous sommes dans des discours du nouveau directeur général de la police là. Maintenant, nous allons attendre. Et discours. Président Couleuvre 7 Traitlan, plus 2 traites fait 9 Traitlan, qui c'est Edgar Leblanc. En avancé. Ce jour du 21 juin 2024, au nom du Conseil présidentiel de transition, de clôturer cette cérémonie d'installation de M. Ramon Ormil comme nouveau directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti. Cette installation intervient à un tournant décisif de la vie nationale. Le pays connaît des moments obscurs. Le centre-ville de la zone métropolitaine est délabré à cause de l'insécurité grandissante. Les gangs, selon les données disponibles, occupent plus de 70% de la capitale. L'avenir de notre pays est sombre. Nos jeunes sont découragés. Ayant perdu l'espoir, ils laissent le pays. Nous en sommes là. Responsables, nous devons agir avec intelligence, mais surtout avec courage et détermination. Le pays veut respirer un nouveau souffle. Le Conseil présidentiel de transition a nommé un Premier ministre dont la mission première consiste à rétablir la sécurité sur tout le territoire national en vue d'amener le pays vers de nouveaux horizons. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, l'installation de nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti aux fins d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Savoir écouter, déléguer, faire preuve d'empathie, développer la capacité de travailler en équipe sont des qualités indispensables pour tout meneur de femmes et d'hommes qui veut réussir. Vous avez été nommé le 26 août 2019 à la tête de la PNH dans les conditions difficiles que l'on connaît. Cela vous laisse certainement la soif de réussir. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'échec et la capitulation ne sont pas envisageables. Sachez que vous serez libre dans le choix des différentes stratégies pour lesquelles vous aurez opté avec votre état-major
afin de mener l'institution policière à bon port. Nous vous le garantissons. Le Conseil présidentiel et le gouvernement du Premier ministre Gary Conille n'exerceront aucune forme de pression sur vous. En effet, l'administration Conseil présidentiel Conille veut que la PNH reste une institution républicaine, apolitique, au service de la nation. Ce que nous vous demandons, c'est de vous élever à la dimension de la tâche difficile qui vous est assignée. Vous avez pour devoir d'être bientôt l'interlocuteur avisé du responsable de la mission multinationale de soutien à la sécurité établie par la résolution 2699 du Conseil de sécurité de l'ONU qui sera déployée sous peu dans nos murs. Monsieur le commandant en chef, en attendant ce déploiement, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter et les annihiler plus tard les activités des gangs armés en vue de gagner la confiance de la population qui a tellement souffert de ces malfrats. Ils ont pu s'assembler, se rassembler pour lâcher plus de 4000 prisonniers dans la nature, y compris des présumés assassins du feu président Jovenel Moïse. Sachez que le Conseil présidentiel de transition, animé de la ferme volonté de pacifier le pays pour attirer les investissements, accueillir nos compatriotes de la diaspora, les touristes étrangers, en vue de booster l'économie, compte sur votre leadership. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement du Premier ministre Gary Conille seront toujours aux côtés du haut commandement de la police nationale pour lui apporter tout l'appui nécessaire dans l'exercice des nouvelles responsabilités qui vous sont confiées. Je vous invite à faire l'inventaire des besoins de la PNH pour que les dispositions soient prises afin que cette institution républicaine puisse jouer le rôle qui est le sien dans cette conjoncture difficile de la vie nationale. Nous misons sur votre expérience à la direction centrale de la police judiciaire et votre passage à la direction générale pour mettre les bandits hors d'état de nuire en attendant de les éradiquer du sol national. Mesdames, Messieurs, bon profiter pour me dire Jean-Pierre Aïla, nous besoin d'un PNH qui tout près population. Un PNH qui a pénétré la communauté, qui a arrivé dans la zone abandonnée pendant que les examens sont arrivés plus rapidement dans la zone ça. C'est pour nous casser plus fort lien avec la population. Nous recommandons une vraie police communautaire parce que j'ai besoin d'un rapprochement avec la police. Là. Dans ce sens, ça, c'est un moyen pour réduire la criminalité avec un contact permanent. C'est un moyen pour respecter et puis faire respecter le règlement avec la loi. Je veux, en m'adressant au directeur général France LB, qui vient de passer le maillet au nouveau commandant en chef de la police nationale, lui exprimer ma reconnaissance pour tout l'effort déployé dans une conjoncture particulièrement difficile pour soutenir la progression des gangs armés dans la zone métropolitaine. Vous avez servi à la mesure des moyens disponibles, le pays. Vous resterez toujours un haut gradé de la PNH, ainsi vos conseils, je n'en doute pas, pour la bonne marche de l'institution seront-ils très appréciés. Monsieur le nouveau directeur général AI, je vous souhaite bon travail et du succès continu dans cette noble tâche qui consiste à établir la tranquillité dans les rues de la capitale et celles des villes de province. Jouette pour population Aptan. Voilà, et justement, jouette pour population Aptan. Et monsieur lui-même, et chaque discours, monsieur, toujours fini avec une parole qui est extrêmement importante. Bon, parce que, monsieur qui a une capacité ça, naturellement. Si on a quitté besoin, arrivé là, tout. Bon, arrivé là. Arrivé là, fait chèl bon garçon. Sauf que, de ces résultats, on a cherché nous-mêmes. Rémini, jette pour population en la main. Eh bien, population, DGA tout. Faut population qu'on a qui DGA en main tout. Parce que la police n'a pas fait sans information. La police l'a pas faite sans ça nous capable briller et renseignement et la police a dû faire et Jean le fait là. On nous garder encore une fois directeur Normil Rameau qui t'a humilié
ancien volo ou bien volo fantôme section 9 là qui relève France LB. On regarde comment des général nommé Ramo tapi milieu volo. Son excellence monsieur le président. Salut. La main avec Volo. Dis bravo avec des génomiles. Maintenant, nous sommes des génomiles, ça, qui sous conseil présidentiel, cette tête-là. Maintenant, on a regardé Normil Rameau qui t'a pris installation sous président Jovenel Moïse. Pour moi-même, c'était plus belle, plus bien présenté. On faut t'attendre Normil Rameau à l'époque. T'as dit ça et gardez, monsieur. Ça, c'est sous président Jovenel Moïse. On garde ça avec un peu d'intérêt. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président du CSPJ, Monsieur le Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur le Doyen du Corps diplomatique, Madame la Représentante du Secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les honorables juges, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur l'inspecteur général en chef de la PNH, Monsieur le commandant en chef des forces armées, Mesdames, Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations des droits humains, Monsieur le police commissionnaire Tubinu, Monsieur le protecteur du citoyen, chers amis de la presse, population haïtienne, policiers et policières. 12 juin 1995, 12 juin 2020, voilà déjà un quart de siècle depuis la création de la police nationale d'Haïti. En ce jour hautement historique, nous ne saurions, en dépit de la situation particulièrement difficile, découlant de la grévivité de la juin 1995, Tubinu, Monsieur le protecteur du citoyen, chers amis de la presse, population haïtienne, policiers et policières. 12 juin 1995, 12 juin 2020, voilà déjà un quart de siècle depuis la création de la police nationale d'Haïti. En ce jour hautement historique, nous ne saurions, en dépit de la situation particulièrement difficile, découlant de la grévivité de la pandémie de la COVID-19, ne pas répondre à l'appel du devoir patriotique pour célébrer avec vous cette journée qui revêt un caractère aussi symbolique dans la vie du peuple haïtien et du personnel policier en particulier. 25 années de lutte, de sacrifices, de pleurs, de déceptions, de critiques, de résistance, de fierté, d'espoir, de construction et j'en passe. L'histoire de l'humanité, mesdames, messieurs, ainsi que celle des institutions, est un cumul de sites d'épreuves qui définit au bout du compte la qualité et la valeur de ceux et celles en situation d'action. Notre histoire nationale, quant à elle, est une querelle de refaits d'armes réalisés par des hommes et des femmes dont l'analyse des caractères et comportements nous inspire respect et admiration au regard des conditions générales d'action. Le regard tourné vers ce passé glorieux, héroïque, nous convie, mesdames, messieurs, en tant qu'acteurs du présent, à questionner la justesse et l'exactitude de nos engagements actuels au regard de notre vaillante histoire de peuple. À ce carrefour de la révisitation de la mémoire des héros de notre passé, tant lointain que proche, il nous a été amené à porter une rupture dans la continuité quand, en 1995, la force des choses devait conduire à la création de la toute première force de la police nationale et à la démobilisation des forces d'armée d'Haïti, tout un symbole. Haïti naquit sur fond de lutte émancipatrice, à haute dimension spirituelle. Alors, ma rappelle, non, c'était Normil Rameau qui t'a pris investiture comme nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti. C'est en 2020, sous président Jovenel Moïse. Normil Rameau, ça que classe politique a été pète à coup sourire parce que, pas oublier, monsieur sorti au niveau de la DCPJ,
de DCPJ pour le montrer comme directeur général de la police nationale d'Haïti. Cœur sauté total, panique totale, bon côté les assassins et qui t'a assassiné mon dans le pays. Parce que vous connaissez que Nomil Rameau, il y a un pile dossier, n'y a pas Nomil Rameau couchat, n'y a pas voulu pour que Nomil Rameau commence à râler. On sait des dossiers au niveau de la DCPJ pour commencer à mettre code dans le coup, on sait des nègres dans le pays. Mais naturellement, nèg yo et gon volo qui est Joseph Jout, un chef de gang, un assassin, un criminel, un volé, un pas sérieux. Et bien naturellement, monsieur t'es vraiment humilié, directeur général à l'époque. Entendez, Nomil Rameau et peuple haïtien qui t'a fait parler là. Très intéressant. Et alors c'était pour fête la police nationale d'Haïti, 12 juin 2020. Entendez, Nomil Rameau. Très intéressant. Fondatrice même d'une nouvelle humanité, porteuse d'espérance et d'espoir pour les peuples opprimés. Mesdames, Messieurs, il est malheureux, voire peiné, de constater que trop souvent, nos institutions de services publics doivent faire les frais des égaux des uns et des autres. Elles sont prises en otage par des intérêts mesquins, partisans, claniques de lutte politique sans grandeur. Elles sont détournées de leurs missions et objectifs et tiraillées. Les membres incompris, écartelés en général, manipulés, divisés, en paient le prix fort de critiques infondées, sans rapport avec les causes et leurs faiblesses. Quand le personnel d'une institution comme la police nationale d'Haïti doit faire face à de telles situations, c'est la pagaille et le chemin scabreux du désordre, de l'indiscipline et de la faiblesse assurée. Dans un tel cas, c'est le retour à notre devise nationale, l'union fait la force, qui reste et demeure l'orientation cardinale pour nous permettre de résister et de retrouver la voie de notre mission et agir suivant l'idéal de service pour lequel nous avons juré à travers la prestation de serment de prise de service. La situation actuelle du pays et la réalité de la PNH nous invite à réfléchir et à répondre à la question posée tantôt. Où en sommes-nous dans ce noble idéal de service public, de la protection des vies et des biens? Il nous faut tous, en notre fort intérieur, prendre le temps d'un exercice de conscience par une autocritique d'honnête. L'événement nous invite à cette introspection. Y sommes-nous donc à la hauteur des sacrifices des pères fondateurs de la nation pour répondre et prendre le virage qu'implique la conjoncture? Policiers, policières, membres de la grande famille de la PNH, au moment de souffler les 25 bougies d'anniversaire de la PNH, nous éprouvons certainement un sentiment de fierté d'appartenir à une institution qui représente la colonne vertébrale de notre jeune démocratie. Très bien. Et justement, c'était directeur Nomil Rameau à l'époque qui était alors pour 25e anniversaire de la police nationale d'Haïti et c'était en 2020, d'accord? Naturellement, il était prend des classes, il prend la parole. Mais à nous faut attendre. C'est la bataille a commencé. Alors Nomil Rameau décide de faire France LB ça aujourd'hui. Mais raison qui on parle ba nos raisons qui cause Nomil Rameau fait France LB ça aujourd'hui. Regardez pour vous. On garde ça le fait là et on va ba nos raisons. On va le faire Noël. Étendez-le. Eni. Li ba ba monsieur là même. Monsieur honte tant qu'on vole. Vole lié. Li honte. On garde mes raisons. Entendez Valérie Dumas à l'époque. Papa Nomil Rameau qui j'ai été mourir. Entendez. OK. Tout d'abord, bon, informé Mounio, et bon, ben, une mauvaise nouvelle. Hier soir, yo, joigne papa, directeur général policien, et, monsieur Nomil, Rameau Nomil, papa, monsieur, je n'ai mouru dans un réservoir d'eau. Ribert Nomil, monsieur, t'es gagné 83 ans. En général, il servait avec un canne, et avec tout chapeau, yo, joigne ni canne, ni chapeau, en dans la mais yo, joigne que monsieur, mouri en dans réservoir de l'eau dans la cour et commandant la police là et Rameau Nomil il parlait d'un homicide et d'ailleurs DCPJ guettant et
l'ouvrir enquête là sous question ça. Devrait quand même commencer avec nouvelle ça. Bien que nous rendons compte que dans la soirée hier, tu as gagné la police dans la rue, paquet de monde dans le commandement, tu es dans la rue, tu as fait patrouille, des fouilles, etc. Donc voilà, ces nouvelles là, papa commandant la police là, Ribel Normil, le jeune ni mouri en dans au réservoir dans la Colacaille de l'île, tu as gagné 83 ans. Ça yo, c'est qui vient de comprendre ça yo, et mettre. Voilà, et c'était comme ça. Papa directeur de la police là qui c'est et papa Normil Rameau t'est passé et c'est comme ça il t'est perdu la ville. Voilà, n'a pas tourné sous ça oui et Kebela Palagé n'a pas cassé rendez-vous ensemble avec vous tout à l'heure comme ça pour alors pour demain si Dieu veut pour l'autre édition sur plateforme YouTube Info Beto. Que bon Dieu bénisse chaque grand nous qui t'attendait et garder mission que bon Dieu bénisse Haïti chez nous. Moi maintenant pile Palagé, c'est ton plaisir naturellement pour que me t'ensemble avec nous Kebela.